Aujourd'hui, en Afrique, 320 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable, répondant aux normes d'hygiène de base. La mauvaise qualité de l'eau serait ainsi responsable de 70 à 80% des maladies sur le continent, avec un lourd tribut payé aux pathologies diarrhéiques comme le choléra. Comment faire face à la pollution de l'eau? C'est le sujet de ce Talk Afrique. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue à Monsieur Kwadio Kwame Alain. Il est secrétaire général de l'ONG Accor International Bien-être, en abrégé AIBE. Bienvenue, Monsieur Kwadio. Merci, monsieur. L'ONG Accor International Bien-être, en abrégé AIBE. Quelles sont, entre autres, vos missions? L'ONG Accor International Bien-être a pour objectif principal de contribuer à la gestion efficiente et rationnelle des ressources de l'environnement. Et spécifiquement, plusieurs objectifs balisent les activités de l'ONG Accor International Bien-être. Entre autres, nous avons la péréquation des ressources de l'environnement, la gestion des ordures ménagères, la gestion des eaux usées. Voici en quelque sorte certains objectifs qui ont suscité la mise en place de cette ONG. D'accord, il faut préciser que vous êtes également doctorant en géographie. Donc, Effectivement. les questions liées aux ressources en eau, etc., relèvent un peu de votre domaine. On en saura plus tout à l'heure. Effectivement. Avec nous dans le studio, Monsieur Adjei Dago Nixon. Il est le président fondateur de l'ONG Terre Promise. Bienvenue, Monsieur Adjei. Merci. Avec vous, nous parlerons également de la lutte contre la pollution de l'eau, les enjeux et défis. Mais revenons brièvement sur les actions entreprises par votre ONG. ici. Je l'ai dit tout à l'heure, notre ONG, c'est une ONG qui travaille pour le bien-être de la population. Mais comme l'homme est dans un environnement et que l'environnement a une interaction entre l'homme et lui-même, nous constatons qu'il y a des effets négatifs à ce niveau. Nous voyons que l'environnement agit sur l'homme de façon négative, comme aussi l'homme agit sur l'environnement. Et ces deux interactions créent des effets négatifs. Donc, à notre niveau, nous sommes dit, mais il fallait aller dans le sens de réguler cette affaire, c'est-à-dire comment gérer telle sorte que l'homme et l'environnement soient en phase, pour que chacun n'influence pas son ami. Donc, je veux dire par là que nous gérons la sainteté de l'environnement. Comment faire pour que l'environnement soit sain? Comment faire pour que l'homme même soit dans un environnement propice à lui-même son propre développement? Alors, dans ce sens, nous faisons l'effort d'aménager nos espaces où nous vivons, dans les quartiers, partout. Et nous avons fait, la fois passée, une opération grand ménage, parce qu'on a vu qu'il y avait des écoles où les enfants se trouvaient dans un environnement vraiment pas adéquat. Donc, nous avons fait cette opération pour rendre cet environnement propice à l'éducation. Mais aussi, nous allons dans les quartiers, s'il y a des dépotoirs, s'il y a des coins comme les plages qui sont mal aménagés, nous allons aussi pour essayer d'amener ces côtés-là pour que, en tout cas, l'environnement soit porteur. Il y a aussi la sensibilisation que nous portons à la population pour que chacun soit quand même éduqué à la chose. D'accord. Et cette émission sur la pollution des eaux de façon générale a pour objectif d'informer les téléspectateurs des réalités qu'on vit en Afrique et, si possible, bien sûr, apporter des solutions. Et quand on veut bâtir ou avoir un projet de développement, il faut faire un état des lieux. Et nous parlons de la pollution de l'eau en Afrique. Monsieur Kwadio, quel est l'état des lieux que vous pouvez dresser? Est-ce que l'eau est de qualité? L'eau est, enfin, le niveau de pollution de l'eau en Afrique? Bon, je pense que avant de pouvoir répondre à cette question, il est important de définir d'abord ce qu'on appelle, pollution de l'eau. Pollution de l'eau. Et la pollution de l'eau, c'est la modification des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques d'une eau et la rendant nocive pour les populations qui la consomment. D'accord. Autrement dit, Oui. de façon plus simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une eau est polluée lorsqu'elle est susceptible de mettre en danger la vie de la personne qui la consomme ou la vie de la personne qui vit dans un environnement immédiat. D'accord. Et concernant la qualité de l'eau en Afrique et en Côte d'Ivoire de façon particulière, ce que je peux dire, c'est que la qualité est bonne de façon globale. Mais le problème se pose au niveau des cours d'eau qui traversent les grandes agglomérations. Et c'est l'exemple de la ville d'Abidjan. Parce qu'on voit la configuration de notre port. Le port est situé pratiquement sur la lagune de Briey. Alors qu'un port est un puissant outil de structuration de l'espace et de création de l'emploi. Il y a une densification des activités industrielles dans l'environnement portuaire. Et il se trouve que ces activités industrielles-là ont des rejets. Et les déchets qu'ils rejettent vont directement dans la lagune sans être traités. Donc, du coup, la lagune elle-même est déjà polluée. Alors que cette lagune est un cadre d'opération économique, puisque il y a Bien beaucoup de choses qui se font là-dedans. entendu, bien entendu. Cette lagune est le cadre d'opérations économiques, mais l'accent qu'il faut mettre à ce niveau, c'est de pouvoir, peut-être que je vais un peu vite en besogne, mais c'est de pouvoir d'abord traiter les eaux, faire un D'accord. pré-traitement des eaux,
avant de pouvoir les rejeter. D'accord, on reviendra au traitement des eaux. Nous sommes toujours sur l'état des lieux. Et là, il a mis le pied dans le plat, oui, parlant un peu de la ville d'Abidjan. Mais il y a les zones de l'intérieur, les zones, on dira, rurales, qui sont la plupart du temps touchées. Pour ma part, l'eau de la Côte d'Ivoire, si on veut tenir compte de la qualité de la Côte d'Ivoire, elle est minime. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande partie de la Côte d'Ivoire n'a pas accès à l'eau potable. La population n'a pas accès à l'eau potable. Quand vous allez aujourd'hui dans les villages, quels genres d'eau les gens boivent? C'est les marigots, c'est des fois les puits, mais ces puits, ils sont à quelle hauteur? Est-ce que ça arrive à la nappe phréatique? Non. Donc, on voit que la qualité d'eau, on a des ressources en eau, on a des fleuves, on a des lacs, mais cette eau ne sert pas la population. On n'oubliera pas, on n'occultera pas les actions du gouvernement. Non, on ne critique pas. Voilà. Non, on n'occultera pas. C'est-à-dire que le gouvernement fait déjà beaucoup, mais vous, en tant qu'ONG, vous dites qu'il y a encore beaucoup à faire. Justement. Okay. Donc, je disais que cette eau existe, mais elle n'est pas utilisable. Parce qu'à un moment, il y a eu un problème au niveau d'Adiaké, où les employeurs avaient pollué cette eau-là. Et ça s'est répété jusqu'à dans le fleuve Bia. L'eau était devenue très sale, on ne pouvait pas boire. Mais cette eau-là, qui quitte depuis la Tano jusqu'au fleuve Bia, la population fait quoi de ça? Et partout, quand vous voyez même à l'intérieur, les gens crient. Pénurie d'eau, même à Bia ici, il y a pénurie d'eau. Donc la qualité d'eau, l'eau est là, mais on ne peut pas utiliser cette eau-là. Si dans les fleuves, ou bien les rivières de l'intérieur, s'il y avait vraiment des aménagements qui faisaient que les gens pouvaient avoir de l'eau propre, ça pouvait arranger. Encore une fois, quand vous allez dans un village, ou bien dans un canton même, vous allez, il n'y a pas, chez nous, je suis là où je suis, dans mon canton, mon seul village est le seul village qui a de l'eau courante. Est-ce que les pays d'à côté, les autres pays de l'Afrique sont des exemples en matière de qualité de l'eau? Parce qu'on a pris un peu le cas de la Côte d'Ivoire, mais qu'en est-il des autres pays? Oui, ils sont juste à côté de nous peut-être. Bon, quand on prend les pays de l'Afrique subsaharienne, on va dire que c'est pratiquement les mêmes réalités que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même, ça va un peu plus. Mais les pays exemplaires en matière de qualité d'eau sont les pays du Maghreb. Est-ce que je peux dire sur la question? D'accord, mais pourquoi? Revenant là, je vais prendre l'exemple du Maroc, où la pollution d'eau a diminué de 110%. Parce qu'eux, ils arrivent, il y a même un barrage là-bas où les gens doutaient de la qualité de l'eau. Et le premier ministre allait, il a bu cette eau-là. Pour dire que cette eau est de qualité et qu'il n'y a pas de pollution dans cette eau. Là où ça ne va pas, quel est le problème? Nous sommes en 2020, 50 ans après les indépendances, les infrastructures se développent de plus en plus. Pourquoi encore aujourd'hui, les populations n'ont pas toutes accès à de l'eau potable? Ici, en Côte d'Ivoire, il y a une société qui s'en occupe, mais l'action de cette société n'est pas, comme le disait mon collègue géographe, Moses géographe, donc comme le disait mon collègue, la population évolue tellement que l'action même de la société qui est là ne peut pas satisfaire tout le monde. Moi, ce que je voudrais dire à ce niveau-là, c'est qu'au niveau de la population, chacun doit chercher à être autonome. Tout à l'heure, il n'y a plus l'exemple d'un village, mais ce village, c'est des cadres de ce village qui sont mis ensemble pour mettre en place de l'eau courante. Et cette eau existe aujourd'hui. Donc, dans chaque localité, si cela pouvait se faire, ça allait encore être mieux. Mais qu'en est-il de l'État? C'est le rôle de l'État de mettre ses politiques en place. Si des cadres devraient se mettre en place pour le faire, peut-être en appui. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je pense que au lendemain de l'indépendance, l'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement de régenter tout seul la politique de développement socio-économique de la nation. Et ça prend en compte tous les secteurs dont nous venons de citer, tels que l'accès à l'eau potable. Mais il se trouve que et au cours de son développement, et le problème de planification n'a pas été pris en compte. Parce que quand en 1960, vous avez une population, la population elle est figée. Par un moment, elle augmente. Mais les ressources, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les ressources augmentent en même temps que la population augmente? C'est là le nœud du problème. Regardez, quand on prend par exemple la ville d'Abidjan, Abidjan était approvisionné à partir du Continental Terminal. Mais depuis pratiquement 50 ans, cette source d'eau qui est qu'on peut appeler nappe aquifère est épuisée. Et on va jusqu'au niveau de Beaunois pour aller faire des forages pour venir approvisionner Abidjan. Mais regardez un peu, pendant que Abidjan était approvisionné par cette source d'eau dont je viens de citer, quelle est la politique que l'État a mise en place afin que lorsque la population croît, les ressources puissent aller en adhésion? Ça, c'était l'une des plaies que l'État n'a pas pu gérer. Et n'oubliez pas qu'il y a eu les crises que la Côte d'Ivoire a connues, avec un afflux massif des populations dans la zone du sud, les étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire. Donc il fallait gérer ce problème démographique-là. Et on n'a pas pu gérer, raison pour laquelle on a eu des difficultés. C'est vrai que l'État pouvait faire mieux.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des quartiers où il y a de l'eau. Il y a des quartiers où il n'y a pas de l'eau. Mais on pourrait se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que certains ont de l'eau, d'autres n'ont pas de l'eau? C'est une question que tout le monde se pose. Donc, on sait, vous pouvez nous aider à répondre à cette question. Non, mais comme il le dit, Abidjan grandit. Abidjan évolue. Mais comment se fait-il que vous pouvez, dans un quartier, vous avez de l'eau? Ou bien ça dépend peut-être des installations, ce que je vais dire concernant cette question, c'est qu'il y a certains quartiers qui n'ont pas bénéficié d'une urbanisation correcte. Ouais. Je veux dire normale. Une urbanisation en bonne et due forme, comme c'est le cas d'Abobo. Regardez aujourd'hui, la commune de Cocody est la commune la plus qui a rempli le nombre d'urbanisations en Côte d'Ivoire. Mais quand c'est comme ça, le service de distribution d'eau potable à travers ces canalisations, on n'a pas tellement de difficultés. Quand on va aller dans un système où l'urbanisation est biaisée, l'urbanisation est ratée, comment pouvons-nous mettre des canalisations? Regardez que depuis pratiquement 10 ans, il y a des grands travaux au niveau de la commune de Labobo. Il y a eu des grands travaux, des travaux, je dirais, mais herculéens. Mais ces travaux ne peuvent pas suffire. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qu'on aurait dû résoudre en 50 ans, en 10 ans. Ce n'est pas possible. Donc, pendant ce temps, ceux qui sont là, comment ils font pour s'approvisionner en eau potable? D'accord, très bien. Okay, voilà, donc comme je viens en appui à ce qu'il est en train de dire, la population de la Côte d'Ivoire évolue. Quand une ville évolue, il faut un plan. Je prends par exemple le cas du Ramblais. Le Ramblais a évolué sans plan. C'est en évoluant qu'ils ont essayé de planifier le plan. Donc quand vous avez vu, il n'y a même pas de canalisation en tant que telle. On parle d'un schéma directeur. Il n'y a pas un schéma directeur. Vu que la canalisation n'a pas été faite dans les normes. Quand vous allez vers le port Boué, à partir de l'aéroport, tous les quartiers qui suivent, il n'y a pas de canalisation en tant que tel. Il bénéficie un peu du passage. C'est-à-dire ce qui a été fait depuis Bonoïs ici. Mais c'est pas une. C'est maintenant qu'ils sont en train de planifier un peu. Mais ça n'a pas été organisé en tant que tel. D'accord. Donc, ça ne peut pas arriver dans les profondeurs du quartier. Donc, si on veut, normalement, quand un quartier évolue, ou bien quand une ville évolue, on doit tenir compte des infrastructures. On doit tenir compte de la population qui est là. On doit même faire une prévision. Si aujourd'hui, on voit qu'il y a 10 personnes qui sont dans le quartier, mais à la longue, c'est à combien? Quelles sont les infrastructures qui seront là? Qu'est-ce qu'il faut? Et on fait ce planning avant qu'il revienne. En Côte d'Ivoire, on s'assoit d'abord avant de venir faire. Et quand c'est comme ça, ça devient difficile. D'accord, l'état des lieux étant bien dressé, voyons maintenant les facteurs, les sources de pollution. Qui pollue? Qui pollue l'eau de façon générale, de façon pratique? Pas forcément en Côte d'Ivoire, nous parlons de l'Afrique. Mais si vous avez des exemples concrets, sans citer peut-être de structure ou de nom, mais qui est à la base de la pollution? Bon, je pense que cette question, la réponse, elle est déjà claire. Et la pollution, elle est industrielle, la pollution, elle est ménagère, la pollution, elle est au niveau agricole. Même aujourd'hui, on parle d'un phénomène qui est très en vogue, celui du lopage clandestin. D'accord, donc prenons-les un à un et puis on l'explique mieux. Ok. Au niveau de la pollution industrielle, comme je l'ai dit, et le nœud du problème se situe au niveau des pôles économiques de la Côte d'Ivoire. Je prends par exemple le port d'Abidjan, qui est un puissant outil de structuration, de création d'emplois. Et dans cet environnement, il y a plein d'industries agroalimentaires, pétrochimiques, chimiques. Mais ces industries-là ont des effluents, ont des rejets. Et qu'elles vont jeter dans la lagune, malheureusement, sans que ces déchets-là ne soient pré-traités. Et je pense que c'est l'une des causes de pollution. Nous, la lagune de Brier, quand on parle de la pollution ménagère, vous voyez, aujourd'hui, les effluents ménagers de tout Abidjan Nord sont déversés au niveau du quartier Vidange. Il y a un quartier qu'on appelle Vidange. C'est là-bas qu'on déverse tous ces effluents. Justement parce que c'est là qu'on déverse. Voilà. Ces effluents-là sont déversés sans pré-traitement. Et elles se retrouvent toutes dans la lagune. Par moi, on n'est pas étonné. Quand on passe vers le staff et ce moyen, on sent des odeurs fétides, nauséabondes, qui peuvent me donner des infections. Donc ça, c'est la deuxième source de pollution. Et au niveau agricole, on voit que des produits sont utilisés pour l'agriculture. Pesticides, etc. Alors que cette agriculture-là, généralement, c'est du route dans les zones forestières où on a des bassins versants de certains fleuves. Vous voyez? Donc, du coup, quand il pleut, quand il y a l'eau de ruissellement. Ah, le lessivage. Le lessivage. Et l'eau prend un coup. Et il y a aussi le phénomène de lopage clandestin et qui est là. Les chercheurs d'or, les chercheurs de pierres précieuses qui, dans leur activité, oublient qu'il y a un souci de développement durable. Il y a un défi de développement durable. Et ce qui les intéresse, c'est avoir des bénéfices. Après avoir pris ton or, mais quelle est l'eau que tu bois? Mais alors que l'eau devient turbide après, l'eau devient trouble et ça a des conséquences néfastes sur l'écosystème aquatique. Merci, oui. Toujours les facteurs. Toujours les facteurs. De pollution. Je vais sortir un peu de la Côte d'Ivoire. Oui. Je vais prendre le côté des déchets animaux et humains. Quand je prends l'exemple du Mali, par exemple, dans mes recherches, j'ai vu qu'au niveau du Mali, quand on prend le delta du Niger, c'est là que la population se trouve en général, parce que le Mali n'a pas assez d'eau.
Donc c'est la zone qui est plus alimentée en eau. Donc c'est là que toutes les études se trouvent, en général l'élevage. Mais au niveau du Mali, quand on fait le décompte des déchets produits par les animaux, au niveau des bovins, on a au moins 65 millions de tonnes. Au niveau des ovins et caprins, on a au moins 24 millions de tonnes. Mais quand tous ces déchets sont produits, ils vont, quand il pleut, tout se déverse dans les fleuves. Ce qui fait qu'eux-mêmes, ils sont obligés d'utiliser les puits familiaux. Parce qu'eux-mêmes, ils ne trouvent pas d'eau à utiliser. Donc ce côté, c'est-à-dire les déchets animaux, font partie de la pollution de l'eau. Ça dépend des zones. Si c'est une zone, par exemple, on prend l'abattoir de Pabouy qui est juste à côté de la lagune. Mais tous ces déchets-là vont où? Ça se déverse dans la lagune en cas de pluie. On prend le côté, je vais sortir un peu encore pour aller vers le Nigeria. Au Nigeria, on a une zone qu'on appelle Logoniland, où il y a, c'est une zone industrielle, mais où il y a vraiment une grande industrie, industrie de pétrole. Mais cette industrie a mis des fuites un peu partout. Et ça entoure la zone du delta du Niger. Mais tout ce qui rejette, tout ce qui est rejeton de cette industrie, ça va où? Tout ce qui est fuite de ce pétrole-là, ça va où? C'est dans l'eau. Donc ça fait que là-bas, au niveau du Nigeria, il y a au moins 59 000 enfants qui meurent par an à cause de la pollution de l'eau. Il y a au moins 87% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Parlons de la prise de conscience des populations elles-mêmes. Parce que dans tout ce que vous dites, c'est vrai, il y a l'État, où on voit aussi des populations qui prennent leurs ordures et qui les renversent. Des fois, dans la lagune, l'eau qui est juste à côté, quand vous allez à la plage, vous rencontrez, vous voyez qu'il y a beaucoup de déchets qui sont rejetés. Ça veut dire que la population elle-même, parfois, elle est actrice dans ce genre de choses. Quel est le niveau de prise de conscience des méfaits de la pollution de l'eau sur les populations elles-mêmes? Bon, faut... C'est une situation qui est très complexe parce qu'on on est quand même surpris de voir des personnes intellectuelles, des personnes à un haut niveau intellectuel qui mangent dans la rue, qui jettent des poules et bananes, qui sont dans un taxi, dans un véhicule, qui jettent. Et je vais même prendre l'anecdote de l'invité précédent dans la première émission sur la pollution de l'environnement, qui a dit qu'un commissaire de police, après avoir fini de manger, a jeté les ordures. Lorsqu'il est interpellé, et il a voulu s'appuyer sur son autorité et il est parti. Donc pour dire que le niveau de conscience est très bas, il y a encore du travail à faire. Il faut préparer le champ social, il faut faire des sensibilisations, permettre à ce que les populations de Côte d'Ivoire aient un comportement éco-citoyen. Il faut leur faire comprendre que lorsque l'environnement est mal géré, cela a des répercussions sur leur niveau de vie. Parce que figurez-vous, nous sommes 21 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Si chaque habitant devrait jeter une ordure ou bien un papier lotus, mais quelle serait la situation? Quand nous allons nous promener à Riviera Golf, à Cocody, nous sommes heureux, nous sommes contents, parce que le cadre de vie est paisible. Mais pourquoi est-ce que lorsque nous arrivons chez nous, dans d'autres quartiers, on n'arrive pas à adopter ce comportement-là? Et je pense que l'État devrait adopter des moyens un peu plus coercitifs, parce que je crois que dans certains pays comme le Ghana, on ne vit pas ce genre de comportement. Et en termes de salubrité, le Ghana est un exemple palpable en Afrique de l'Ouest. Voyons maintenant les conséquences de la pollution de l'eau. Avant les conséquences, je vais revenir un peu à ce qu'il a dit. Oui, parce que c'est le nerf même de cette problématique, la conscience. Parce qu'à l'émission passée, j'étais revenu dessus. Parce que quand vous prenez un habitant de Rerai à Bobo, il est dans son environnement, il fait ce qu'il veut. Mais quand vous le déposez à Cocody, vous allez voir que son comportement a changé. Il sait qu'ici, on ne doit pas jeter les ordures. Est-ce que on peut dire que cet homme-là n'est pas conscient? Il est conscient du fait qu'à Cocody, on ne doit pas jeter les ordures, mais à Derewaf, il fait ce qu'il veut. Mais moi, je pense que les gens pensent qu'on vit selon les quartiers. C'est-à-dire qu'on est dans un quartier précaire, on doit avoir un comportement précaire. Si on est dans un quartier de luxe, on doit avoir un comportement de luxe. Or, normalement, ça ne doit pas être le cas. On a donc un grand défi à relever au niveau de l'éducation de la population. Et je le dis toujours que l'Africain est mazou. Dans l'éducation de la population, le côté répressif, c'est pas ce qui marche ailleurs? Le côté répressif, oui, parce que, comme je l'ai dit, l'Africain est mazou. C'est-à-dire l'Africain aime qu'on fasse la pression sur lui. Mais on ne peut pas toujours faire la pression sur quelqu'un. On ne peut pas toujours surveiller. Aujourd'hui, vous voyez, au niveau de, où ils ont cassé, au niveau de la Djamé et autres, ils sont obligés de mettre la police municipale pour ne pas que les gens viennent. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre que le fait qu'on dégage le lieu, c'est un bien pour eux-mêmes? Mais ils sont là pour leur business, donc ils reviennent à chaque moment qu'ils ont l'opportunité. Mais ils ont l'opportunité, mais voici aussi que des fois, il y a des accidents. Ça veut dire que tant que la police sera là, ça pourra peut-être les contraindre à ne plus venir. Donc le volet repressif, quelle doit être la valeur de la répression, des sanctions
pour que effectivement les sensibilisations que vous faites puissent avoir de l'impact. Parce qu'on dépense des milliards dans des campagnes de publicité, dans des pancartes, à la télévision, avec des bandes passantes, ainsi de suite, et on ne voit pas le résultat. Mais je pense que les sanctions doivent être implacables. Parce qu'on ne peut pas injecter assez d'argent pour pouvoir assainir l'environnement. Et puis, il y aura des réfractaires. La sanction doit être implacable. Il faudrait éviter le laxisme. Il faudrait éviter le laisser-aller. Et je crois que la Côte d'Ivoire se dit un état de droit. Et quand on est un état de droit, il y a certains comportements qu'on ne tolère pas. D'accord. Parlons maintenant des conséquences. On était avec vous. En revenant sur ce qu'il est en train de dire, oui, il y a eu un moment où le gouvernement avait déguerpi des gens. Mais après leur passage, il est laissé aller. Mais quand on a pris une mesure, il faut l'appliquer de façon stricte. Quand quelqu'un a failli à ce que vous avez dit, vous avez encore mesure, et vous que cette personne paye. Mais aujourd'hui, quand la personne fait, on dit, bon, tu as pissé, tiens, 500 fois plus. On ne peut pas permettre à la personne de ne pas revenir. Donc il faut que les mesures soient appliquées dans les strictes valeurs. Sinon, ce qui a été dit, si la personne doit faire la prison parce qu'elle a pissé, qu'elle le fasse. Quand on va voir que ça va s'appliquer comme ça, on verra que ça va s'appliquer facilement. Mais si on dit, bon, on fait ça, on donne 200 francs, ça passe. Il a dit, mais même si moi, j'ai 10 ans, j'ai pissé, puis je m'en vais. Et aujourd'hui, la pollution continue. Et c'est comme ça, vous allez voir, ils ont dit quelque part, interdit de pisser, 3000. Il vient, il pisse, 10 ans, il va pisser, et puis il s'en va. Vous voyez, donc, au niveau de la répression, il pense que l'État doit mettre les moyens qu'il faut. D'accord, même s'il faut engager au milieu de la population des gens, par exemple, les ONG sont là. Si on peut les engager pour dire, faites la surveillance. Si quelqu'un vous frappe, faites une convocation. Mais on ne va pas en prendre compte. Mais moi, si moi j'interviens et puis il me frappe, et puis il n'y a pas de suite. Demain, je ne le ferai plus. Donc, il faut que les ONG soient soutenues, qu'il y ait des mesures pour que vraiment on puisse faire. Si cela se fait, vous allez voir au niveau des plages, vous pouvez le surveiller facilement. Mais si tu vas et que le monsieur est plus fort, il te frappe. Et puis bon. D'accord. Je vais ajouter un élément. Moi, je veux qu'on parle des conséquences. Rapidement, une minute. Je vais ajouter un élément. Je pense que l'un des problèmes même de la pollution, c'est la pression démographique sur un espace donné. Vous savez, et le problème de la pression démographique n'est pas seulement qu'il n'y aura en Côte d'Ivoire. Elle est fonction des ressources naturelles et des activités économiques qui sont dans un lieu. Ouais. Si tout à l'heure on découvre le pétrole à Corogo, vous allez voir que la densité de population va changer. Donc je pense qu'il est du ressort de notre État, de nos États, de pouvoir réguler le problème de la démographie galopante, de pouvoir faire une décentralisation vraiment équitable, une décentralisation qui tienne compte des réalités environnementales. D'accord. Les populations qui nous écoutent et qui ont leurs activités économiques dans des eaux usées ou à bord des eaux usées, les personnes qui nous écoutent, quelles sont les conséquences qu'elles encourent, puisque ce que nous faisons aussi a une valeur de sensibilisation. Donc, conséquences sur le volet, on dira, économique, etc. Je prends par exemple la santé des populations. J'ai pris un quartier comme Adjaoui. L'année passée, ils ont découvert des poissons qui étaient morts à Adjaoui. Ça, c'est une première conséquence sur les ressources halieutiques. La pollution de l'eau, oui. C'est une pollution de l'eau. Et les poissons sont morts, on ne sait pas de quoi ils sont morts. Mais ces poissons-là, si quelqu'un les prenait, qui les mangeait, quelle devait son sort. Donc, pour dire que quand il a la pollution, que ce soit sur les ressources halieutiques, que ce soit sur les ressources humaines ou économiques, il y a toujours des difficultés. Au niveau de l'homme, ceux qui sont au bord de l'eau, qui vendent au bord de l'eau, moi, en tant qu'intellectuel, je ne peux pas aller au bord de l'eau où ça pue et acheter encore des... Donc, ça joue sur la qualité de l'air, hein, également. Voilà, donc la qualité de l'air fait défaut. On ne peut pas le faire parce que quand tu le fais, tu es dans un environnement où tu es déjà exposé à certaines maladies. Donc ça réduit la marge économique de ces gens-là. Quelqu'un qui va au bord de l'eau où il y a une pollution de ce genre et quelqu'un qui est dans un lieu un peu dégagé, il est évident que celui-là reçoit plus de clients que celui qui est ici. Mais lui-même pour sa santé, celui qui est au bord de l'eau, les odeurs, quand il va manger, il lave la main avec quoi? Les enfants qui sont là, comment ils se comportent? Tout à l'heure, il a dit qu'au Nigeria, il y avait au moins 59 millions d'enfants qui mouraient par an. Mais ces enfants-là, ils sont fragiles. Leur organisme n'est pas habitué à certains micros, à certaines bactéries. Donc il y a des maladies qui se développent au bord de ces trucs. On a fait un jour une sortie vers Boribana, mais les enfants sont sur la lagune. De là, ils viennent manger. Il y a la dysenterie qui s'ensuit, il y a le choléra qui s'ensuit, il y a la bilharzia qui s'ensuit. Donc pour la vie même de la population, c'est un danger. D'accord, très bien. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Oui. On va encore proposer d'autres solutions. Vous avez déjà parlé de régulation de la démographie, ainsi de suite, pour juguler ce genre de problème. Qu'est-ce que l'État devrait faire? Et l'autre question, ça sera pour vous, les ONG. Qu'est-ce que vous devriez faire? Oui. Bon, je pense que l'État a déjà consenti beaucoup d'efforts. D'abord par la mise en place d'un cadre législatif à travers le Code de l'environnement, qui est un document qui explicite le comportement à tenir lorsqu'on est dans un écosystème qui est censé être fragile. Et à part ça aussi, l'État a mis en place le CIAPOL, le Centre Ivoirien Anti-Pollution.
Donc ces deux structures-là, je veux dire, c'est ces deux leviers et sont quand même importants. Il ne faut pas négliger cela. Mais à part ça, l'État devait prendre beaucoup d'engagement. L'État doit encore faire beaucoup de sacrifices. Et comme tel que accompagner les ONG, par exemple, tel que revoir la politique de la politique démographique, revoir la politique de décentralisation, revoir la politique de répartition des richesses D'accord. sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. Merci bien. Les ONG, en 30 secondes, votre apport, votre contribution. Les ONG sont des structures, je peux dire autonomes, mais sans pouvoir étatique. Nous exerçons dans le domaine social. Donc nous faisons tout pour que chacun puisse comprendre l'intérêt de son environnement. Mais nous devons être appuyés par l'État, comme on le dit. Si l'État prend des mesures, nous pouvons accompagner ces mesures-là. Mais nous, à notre niveau, ce que nous faisons, dans nos quartiers, dans nos rues, partout, c'est pour dire aux populations que la pollution de ton environnement est un danger pour Pour toi-même. toi-même. Quand tu es dans un environnement où on ne peut pas respirer, il y a les maladies cardiaques, il y a les maladies Pulmonaire. tout ce qui est maladie vient à toi. Mais quand des fois on a les épidémies, on pense que c'est dû à des phénomènes extraordinaires. Non, je prends un exemple très simple au niveau de l'atmosphère. Nous-mêmes, on produit le gaz qu'on met dans l'atmosphère. Quand il pleut, cette eau-là redescend. C'est une eau qui est chargée de dioxyde de carbone. Quand tu la bois, tu es en danger. Donc, nous, les ONG, on sensibilise. On cherche à éduquer même la population. Mais les moyens nous font défaut. D'accord, très bien. Voilà. Merci à Monsieur Adjei Dago-Nixon. Vous êtes le président fondateur de l'ONG Terre Promise. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous à cette émission. Merci. Avec vous, Monsieur Kouadio Kwame Alain, secrétaire général de l'ONG Accord International Bien-être, AIBE. Merci également d'avoir partagé vos connaissances avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique. Thank you.